Et bonjour tout le monde, nous voici pour jouer à un jeu de chaîne d'épines. Un jeu de chaîne d'épines, légende de Kelevana, le 24 juin 2011. Vous n'avez joué à aucun des autres jeux de ce personnage. Du coup, vous n'avez joué qu'à celui-là, légende de Kelevana, qui a été fait le 24 juin 2011. Le 24 juin 2011. Par chaîne d'épines. Du coup, on va aller dans le mystérieux monde de Kelevana. Dans une forêt, ou dans une grandissante forêt, flamboyante forêt, et on ne sait pas comment on est arrivé là. On contrôle un corps alien et on va naviguer dans le territoire traître de Kelevana. On va découvrir des secrets, blablabla, blablabla. C'était son premier jeu majeur, un projet de jeu majeur. C'était une pure joie pour lui de le faire. Alors, allons-y. Donc, la première chose que tu entends une fois revenu de la conscience est le vent qui passe à travers les arbres. Donc, pressé Wix. Le son est à la fois familier et alien pour toi. Un sentiment d'urgence t'accapare et tu te remets dans le jeu un peu fatigué sur tes pieds. Pour bouger, va à gauche ou à droite. Donc nous contrôlons une sorte de petite créature. On peut sauter, blablabla. Donc sautons. On a un poste de résurrection, donc du coup c'est nos points de sauvegarde. Et apparemment on ne peut point les toucher, car ils nous font des dégâts. On n'a que 2 points de vie, donc on va devoir faire relativement attention. Pour interagir avec les objets, appuyez sur O et on pourra le faire plusieurs fois. Bon, donc on peut allumer et éteindre les interrupteurs. Ça sûrement est-il dans des indices. Maintenant, on a un tir. On peut presser C pour digouiller du monde. On a débloqué un trophée. Pousse à un bouton, Franck. Du coup, là, je pense que ce serait plutôt pousse à un bouton, Roger. Il doit y avoir un système. Hop! Radio. Qu'est-ce que c'est? Ça s'est crashé dans la distance. Ah, j'ai vraiment l'impression la forte impression que j'ai déjà vu ce vaisseau avant. Je devrais essayer de trouver. Peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est survécu. L'inter ego. Ah, on peut pas tirer en sautant. Trouver des dernières mémoires pour révéler l'histoire. Ne me rappelle pas de qui je suis. Je ne me rappelle pas
de qu'est-ce que je suis. C'est cette région alentour est alien et hostile. Comment es-tu arrivé ici? Non, je voulais sauter. J'ai un peu de mal, Nabé. Cet endroit est dangereux. J'ai expérimenté. Alors que plus j'expérimente de cette étrange région, je trouve qu'elle est à la fois répugnante et en même temps réconfortante. Je ne saurais pas dire ce qui m'embête. Ça doit être une erreur dans la mémoire. Tu secoues la tête et tu te sens désorienté et légèrement malade. On ne peut rien appuyer là-dessus. Il semble qu'il y ait une entrée menant vers c'est pas un verrou, c'est un hatch. Traduction. Ah purée, j'en ai marre. Une trappe, nom d'un chien. Une trappe qui amène vers les sous-sols, mais c'est bloqué. Je suspecte qu'il y ait un mécanisme pour l'ouvrir. Du coup, pour l'instant, il n'est pas en marche. Donc, cette fois, on a des ennemis qui sautent. Et qui se prennent deux coups. Un poste de résurrection. Ça aussi, c'est hostile. Mais vous foutez de ma gueule. Si on essaye de passer par là. En tout cas, ça va. Pour le moment, c'est pas très punitif. Ce monde est une beauté qui est seulement surpassée par sa létalité. Toutes les créatures vivantes me sont hostiles. Même les petits vers qui rampent dans ces cavernes, dans les sols de cette caverne, expulsent un poison. D'accord, c'est pour ça que, du coup, ils justifient le pourquoi on se prend des dégâts. Ne sert plus longtemps. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Des chiffres, des symboles et une créature et un humain. Ah, c'est pas complètement un humain, sinon il a un casque. Vous prenez un moment pour inspecter la statue. Mais c'est moi? Une statue de ce que je suis. Ce n'est pas une copie exacte, mais la forme est la même. Je m'agenouille devant une autre grande créature. J'ai jeté un coup d'œil aux hiéroglyphes qui étaient gravés dans la pierre. Et il y avait certaines phrases qui commençaient à faire sens. Je me reposais au pied de quelque chose de plus grand que moi. En regardant à mon bénéfacteur. Enfin, à la personne qui m'a... À mon bienfaiteur, pensez à la bienveillance. À mon bienfaiteur, nom d'un chien. Ça, c'est ce qui se passe quand tu fais pas marcher ton vocabulaire pendant un bon moment. Et ben, tu perds tout. Avec un sentiment de vénération. Naître plus grand n'a pas de nom, mais identifié comme ancêtre. Et c'est la chose la plus proche que je puisse. Avec lequel je puis traduire. Est-ce qu'un ancêtre était un habitant originel de cet endroit? Mais si c'est le cas, qu'en est-il de mon espèce? Qu'en est-il des miens? Pourquoi est-ce que je serais assis au pied d'un ancêtre? Est-ce que nous étions les animaux de compagnie des ancêtres? Il y a quelque chose qui est levé dans la main.
Ah, on dirait vraiment une légère, ce sont des légères traces d'une musique très faible qui vient à mes oreilles, qui m'attire. Eh bien, second objectif. Oh, ça veut dire que tu vas pouvoir y aller. Il y a quelque chose en dessous. Hop. Oh, maintenant on a carrément des robots. Hop. Ah, les robots ont un tir limité. Trophée. Ouais, donc mis mes clés de voiture. Le terrain commence à être rocailleux et difficile. Il y a une immense montagne sur mon chemin. Je suspecte que le vaisseau que j'ai vu s'est crashé derrière cette montagne. S'est crashé et a atterri derrière cette montagne. Oula, oula, oula. Hop. Non, il donne pas de vie. J'en ai déjà deux, donc en fait c'est rien. Curity. Il y a des cavernes ici qui amènent vers le cœur de la montagne. Je devrais plus en profondeur au cas où je pourrais trouver un chemin à travers. Tout de suite, on se fait attaquer. Je pense qu'on peut monter au-dessus. Ah, c'est fermé, et puis là, je vais pas pouvoir monter encore au-dessus. Ah, si. Ah, mais là, par contre, je vais pas pouvoir monter plus au-dessus. Il y a des pics en haut. Qu'est-ce que c'est? Les champs de force jaune peuvent être pénétrés que si tu cours. Et j'ai pas encore ce pouvoir, donc on va laisser. Voilà, pour l'instant, c'est un bon petit jeu sympatoche. Qu'est-ce donc? Alors que tu touches le fragment qui brille, une montée de force court à travers ton corps. Tu peux prendre un coup additionnel de dégâts. D'accord. Eh bien, parfait. Alors que tu regardes les hiéroglyphes sur le mur, tu reconnais certains des symboles. Le mieux que tu puisses en faire, c'est que c'est un levier qui permet d'ouvrir une porte quelque part à l'ouest. Du coup, on l'avait activé ou on l'avait désactivé? Ouais, je crois que du coup, on l'avait activé. Voilà. Ah, je ne peux pas passer par là. Il me faudra un pouvoir qui me permettra de voler. Du coup, j'ai dû ouvrir une porte de ce côté. Non, donc de ce côté. Non plus. Le champ de force est-il disparu? Non. Bon, bah, je vais revenir tout là-bas, du coup. Il n'y avait pas de porte ici que j'aurais manqué. On va regarder. Je pense pas avoir manqué quoi que ce soit et je ne peux pas monter avec l'espèce d'ascenseur. Donc, partons. Vraiment bien étrange cet endroit. Tiens, apparemment il devait y avoir des constructions ici, vu qu'il y a de la ventilation et des tuyaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Une lumière. Tu n'es pas assez fort pour faire ce saut.
Mais tiens, Curious Abandon sur le mur, est-ce que cela indiquerait quelque chose? Oui, bah évidemment. Ah, je me rappelle de quelque chose. La xénobiologie. Et ce que ça me dit, c'est que ce monde est rempli d'inconsistances évolutionnaires. Chaque créature m'est hostile, à moi et seulement moi. Ils s'ignorent les uns les autres. Et chacun semble parfaitement adapté pour certaines choses. Enfin, semble parfaitement spécialisé, adapté pour une chose. Les vers parcourent le sol pour les débris. Les créatures volantes gardent les stalagmites de tout dépôt minéral. On dirait que c'est comme si j'étais tombé sur un monde rempli de concierges xénophobes qui rentraient dans une rage psychotique quand des étrangers s'approchaient. Ça ne fait aucun sens. Ah, il y a eu quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Et que se passe-t-il si je fais ça? Est-ce qu'on a des indices précis tout chaud? Ah, donc on peut modifier les machins et on a 10 dedans. Peut-être peut-être le développeur. Les ancêtres semblent avoir laissé cette porte fermée avec un cryptage que tu n'as jamais vu avant. Tu ne peux l'ouvrir. Note. Cela viendra bientôt avec l'expansion de la légende de Kinevana. Ah, donc du coup ça c'est un peu triste. Ah bon? C'est tout? Non. C'était pas aussi court. Je me rappelle que je pouvais au moins rentrer sous la statue. Ah, il y a peut-être la trappe qui s'est ouverte. C'est ça. Oui, je me disais aussi, c'était pas que des mots. Bon bah chien. Tiens, ça va me permettre de tester un truc. Non, c'est pas un coup. Du coup. Ah ah. Maintenant je suis piégé. Je ferais mieux de trouver quelque chose d'utile au fond de ces cavernes. Ah, bah justement, en dessous. Ah, mais je vais devoir passer là-dedans. Le potentiel non utilisé. Hop. Plus je m'aventure dans les profondeurs de cette planète, plus je réalise à quel point je suis un alien ici. Mon corps est le même au niveau biologique, mais je suis attaqué comme si j'étais comment ça s'appelle? Zut, témoin de Jéhovah. Pas un présentateur. Les personnes qui vont te faire chier. Oh, c'était pas un truc que je cherchais, mais apparemment c'est un truc. Comme si j'étais un intrus. Un démarcheur, c'était ça que je cherchais, nom d'un chien. Ah, donc interloper, c'est ça pour dire un truc. Ouais, c'est un peu long comme mot. C'est comme si je réapprenais ce corps de nouveau. Je sens qu'il y a un potentiel que je n'ai pas découvert à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y avait cette étrange sensation de ne pas être seul. 9.
pressé haut pour entrer dans les portes. Ok. Mais en même temps, bon. Il a fallu que. Bref. Non, tout est bloqué, ok. Oh, passe le texte de. Passe le texte du Nord et puis va récupérer le loot. Non, non, moi je dis. J'ai peur que je me perde dans ces passages tordus et torturés. Par contre, je vois. J'entends le bruit de machinerie qui me rassure. Enfin, qui m'assure que je suis sur le bon chemin. Ou non, ne mourons pas. Voilà. Tiens, il y a des petites icônes de nuit, et là il y a un nouveau truc de ce côté. Ou non, ou non, quel piège magnifique! Non. Ah, il m'a bien eu. Alors ça, c'était salaud. Oula. Hop. 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 Voilà. Une fois qu'on est lancé. Et Brice. C'est trop fort, c'est trop loin. Et je suppose que ça me zigouille. Soit en un coup, soit ça me fait perdre de la vie. Cette caverne ouverte te tente, mais il semble que tu peux aller en haut. Bon, bah ça va. Bah, comment ça, je peux pas faire ce saut? Tout le monde était excité à la découverte de Kinevana. Nous avions une chance d'avancer la science par des centaines d'années, sinon plus, en étudiant les machineries avancées et enterrées sous le sol. J'ai du mal à dire en fait le truc de l'indice. Mais la garde Kalevi, les Kalevi gardaient leurs secrets avec jalousie et contentation. La beauté des hiéroglyphes et les chansons et les mélodies de chansons complexes s'enterraient sous une myriade d'hostilités de berserker. Ouais, du coup, en fait, j'ai du mal à dire de machin. Ah bah non, ils te disent bien que c'est trop loin. Bon, on va aller en haut. Ah, je suppose qu'on peut redescendre tout en bas de ce côté-là. Le son est vraiment loin de moi. Pierre, je peux voir des piscines de pluie de verre en dessous. Il y a une bonne chance que ce soit toxique. Je vais devoir faire très attention. Ou non. Bon, on va essayer du premier coup. Hop. En même temps, c'était pas complexe. Il y a plus de ce liquide vert caustique ici. Je vais devoir utiliser mon seul choix et d'utiliser l'un de ces côtés d'antigravité. Comment ça marche? Ah non, c'est ça du coup.
Alors, on dirait qu'on va activer un truc qui va faire tirer des vaches en route. Ou non. On va dire ok. Tu te rappelles désormais que tu as un microvive sane. Alors là. Directement. Micro. Weave. Sane. Traduis-moi ça, mon ami. Une voix micro-tissée. D'un Kodak. Qui est installé. Bon, pas installé, mais incorporé. Enrouné. Une voix de micro-tissée qui est enroulée dans ton pic primaire dorsale. Donc, je peux désormais glisser sous le machin. Et j'ai regagné mes points de vie. Oh, c'est rigolo, c'est beau. Est-ce que je peux tirer? Non, toujours pas. Attends, je sais pas pourquoi j'aurais pu tirer vu que avant ça. Clairement, ça disait que non, tu n'aurais. Ce n'est pas un truc que tu pourras faire dans le jeu, tirer en te déplaçant. Il semblerait que tu puisses glisser à partir de là jusqu'à la fin de la caverne. Mais alors que tu regardes en bas avec les piscines avec les piscines bouillantes de liquide caustique, des légères traces de conversations passées filtrent à travers ta mémoire. Je me rappelle que quelqu'un était sûr que cette nasse comportait de nombreuses merveilles. Il y avait un endroit de grands secrets. Enfin, c'était un endroit de grands secrets qui ne pourrait être révélé que si on déchiffrait le langage de ses habitants. Nous assumions que l'entièreté de la planète était une grande tombe qui n'attendait que d'être découverte. Mais nous avions faux. Si la planète était une tombe, alors c'était une tombe piégée. L'endroit était chargé d'anciens dangers qui attendaient d'attraper les désécrateurs qui ne faisaient pas gaffe. Et je ne peux point passer ici. Ou non. Est-ce que j'ai gardé ça? Oui. Ah, ça met même un point de sauvegarde sur le lieu. Oui, bah comme ça, on peut pas juste... Hop. D'accord, je vois où est-ce qu'on est. Du coup, si je vais là, qu'est-ce que cela fait donc? Ça vous permet de faire ça. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait si je vais ici? Hop. Donc, il y a un verre en bas. Il y a une sainteté ici. Et il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre de ce côté-là. Et donc du coup, je peux être en sécurité en allant ici. Donc, on va y aller vite fait, bien fait. Maintenant que notre potentiel est éveillé. Ah, apparemment, j'ai fait en sorte qu'un ennemi se suicide. Bon, c'est... Là aussi, bon. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des lunettes de soleil à la créature. Enfin, un être que l'on contrôle. C'est rigolo. Allez, on va débloquer ça, mais je peux de toute façon pas passer. Donc, il faudra que je revienne ici. Bon, bah on apprend plus de choses. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans une planète de concierge psychopathe.
Enfin, tu me diras, sauf dans peut-être dans PlayStation 40, mais même là, ils sont pas, comment ça s'appelle, remplis de ça. Ouais, mais il faudrait quelque chose de plus pour Adidas. Bon, c'est les points graves. Il va falloir retourner souvent ici. Oh, des mines. Comment cherches-tu l'entrée de ce monde? Enfin, quand peux-tu chercher l'entrée de ce monde qui est hostile pour tout ce qui est externe? Tu dois être rapide et fort pour submerger les défenses. Cela fait sens pour moi. Mais cela veut dire qu'il y aura des dommages collatéraux. Et je suis en train de commencer à suspecter qu'il était très important de garder cette nasse intacte. Est-ce à cause de tous ces étranges hiéroglyphes que je vois engravés sur les murs? Je ne saurais point dire, mon cher. C'est pour ça que nous allons continuer doucement. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah oui, c'était pour descendre et puis il n'y avait rien de plus. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est ça? Oula, j'ai un peu de mal à monter. Alors que je navigue dans le noir, j'ai beaucoup de temps pour contempler ma situation. Je ne me sens pas vraiment à la maison ici. Comme si je connaissais un autre monde. C'est vraiment une étrange situation. Comme si les viscères ne correspondaient pas à ma mémoire. Bon, évidemment, les viscères, c'est pas les viscères. Viscères. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais. Ah bah du coup, la porte est ouverte. Mais du coup, je ne peux pas sauter plus haut, donc je pense qu'aller de ce côté-là, je ne peux toujours pas atteindre le machin. Le dacapo. Hop. Ouais, non, il me faut un double saut sans doute. Et du coup, je peux aller tout à droite. Ici, tout à gauche, il n'y avait rien. C'était juste l'attaque. Tiens, apparemment, il faut de double saut ici. Ça doit pas être un double saut, du coup. Là, je peux voler, donc c'est un endroit où je peux aller. Hop. C'est bizarre qu'on puisse pas, quand ça peine, y aller, mais en tirer en volant. Je trouve ça vraiment étrange. Non! Bon, vous savez quoi? On va y aller rapidos. Hop. On ne va pas s'arrêter. Hop. Non. Bon, on va vraiment y aller rapidos. Mais cette fois sans se faire toucher par notre ami.
Allez, saute, saute. Je voulais que l'ennemi saute pour que je puisse l'éviter. Ça n'a pas exactement fonctionné. Ah, les ennemis bug quand ils se retrouvent dans des situations comme ça. Cette date, c'est un mystère pour moi. Non, cette date était un mystère et malgré tout, ça me dit beaucoup pour moi. I have a kinship to his name, ça s'étend bien, mais j'ai quelque chose qui extend ma curiosité pour cette place. Ah, une parenté. Une parenté à cette place qui s'extend au-delà de ma curiosité. Je ne peux pas faire s'en aller cette impression que... J'ai passé une bonne partie de ma vie ici à tenter d'expérimenter cet endroit. Mais je me rappelle à peine de qui je suis. 15. Est-ce que dans les succès, j'ai une idée de combien il y en a? Non. Que ce soit machine ou animaux, ils travaillent tous ensemble contre moi dans une étrange parenté que je n'avais jamais vue. C'est un monde qui est fait pour la destruction, mais en même temps qui en prend soin. Est-ce que ce serait la cause de ce vaisseau qui s'est écrasé quelques ans avant? Et un essai d'atterrir qui s'est transformé en échec. Plus d'étrangers comme moi. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. En tout cas, on peut voler indéfiniment. Bon, Kuriki. Les tiens partagent beaucoup des pensées avec les ancêtres. La compassion, l'amour et la droitesse. Tu vas... Mais je trouve un défaut curieux dans ton espèce. Mais quelle est cette voix? Je l'ai distinctement entendue, mais il n'y a personne autour de moi. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a ce truc, donc ça doit pas être un double saut, sinon c'est un saut infini, soit c'est un saut qui me propulse énormément en hauteur. Une sorte de méga saut en fait. Bon, du coup on a découvert une autre créature. Ah, c'est fermé, donc je ne peux pas y aller. C'est quand même super classe. Du coup, je suppose que là, on va débloquer le pouvoir de courir. En tout cas, si mes souvenirs sont bons. Et puis surtout qu'il y en a un qui est juste à côté, donc c'est pour ça. Champ de force. Hop. Voilà. Et on m'aura pas comme ça. Ces hiéroglyphes contiennent un mot récurrent, comme les ancêtres, mais il n'y a pas de traduction claire. Je dois utiliser le mot original donné par celui qui a découvert ce monde. Kuriri, courrier.
Ah, donc de Curie-Gris qu'on a entendu est un messager, pas un courrier, imbécile. Mais est-ce que c'est ce qui est appelé Curie-Gris? Je ne comprends pas pourquoi. Un messager de quoi? Bon, le point d'esquiver comme ça. Oula, toi, je te zigouille. Hop, hop, hop là. Bon, le fait que les plateformes ne puissent pas être traversées par en bas, c'est une légère gênance, mais bon, ça va, c'est pas dramatique. Et maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, c'est un mystère mystérieux. Voilà. Mais il se pourrait que les curieries soient plus à même de survivre dans ce monde que les ancêtres. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous, les deux ont disparu aujourd'hui? Tiens, ça voudrait aussi dire du coup qu'on est peut-être un messager nous aussi, tiens. J'ai l'impression que j'y pense. Un curierie marche à quatre pattes. Oui, bah du coup c'est l'espèce, effectivement. Marche à quatre pattes comme un animal. Mais les ancêtres... Mais les ancêtres parlent grandement bien d'eux. Enfin, ils tiennent en haute estime. Peut-être y a-t-il une relation symbiotique entre les ancêtres et les curieries. Et si c'est le cas, cela pourra peut-être expliquer pourquoi aucun des deux n'existe aujourd'hui. Ah. Beau, beau, beau. Bah ouais. Je trouve que des trophées, ils sont pas si utiles que ça, finalement. Ils te sortent un peu du jeu. Après, j'imagine que ça ira très bien pour ceux justement qui font si, et puis qui barrent très vite. Là, du coup, ça marcherait très bien. Les curieries semblent être des animaux, mais comme montré dans les glyphes, ils parlent et ils chantent avec des ancêtres. Ce ne sont pas juste des simples animaux de compagnie. Quel est le but d'un curie que les curieries servent pour les ancêtres? C'est inconnu. Enfin, oui, il est le but. Quel est le but que les curieries servent pour les ancêtres est inconnu. Mais il est clair qu'ils étaient aimés. Enfin, appréciés. Les visages des curieries sont plutôt congrus d'après les mots des ancêtres. Alors 4, non, il y a un truc que je dois mal dire. Congrus. Convenable. Les visages des curieries sont assez convenables d'après les travail des ancêtres, comme si les ancêtres étaient fiers des curieries. Donc du coup, ce serait une création. Les curieries auraient été créées. Ah, le problème, c'est que j'ai rien récupéré en fait. Bon, j'ai peut-être ouvert un truc au-dessus. Ça me paraît très logique, non? Qu'ai-je donc ouvert? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Nanana. Essayons de déterminer. Je n'ai rien ouvert au début. Je n'ai rien ouvert à la fin. Non, je n'ai rien ouvert dans le labo, je pense pas. Est-ce que j'aurais ouvert un truc ici un peu plus avant? Je ne pense pas non plus, mais on va regarder vite fait. Hop! C'est pas grave. On se prend des dégâts pour aller plus vite. Hop!
content de pas avoir changé de chaîne pour pas avoir retenu le robot. Non, il n'y a rien ici. Ici, il n'y a rien. J'ai juste ouvert la porte et j'ai pas récupéré de capacité. C'est bien étrange que tout ça. Ah, mais il y a une porte ici. Tout s'explique. Évite. Mais non, j'évite pas. D'accord. Ah oui, c'est vraiment du un coup, ok. Incroyable. Dans le cœur de cette montagne, il y a une petite grotte. À distance, je peux voir qu'on s'appelle une forme de lumière. Enfin, ce serait pas un tube, mais shaft. Un arbre. Un arbre? Il n'y a pas d'autre traduction? Non, ce serait pas de puits, ce serait pas un fût. Une cage? C'est quoi? On verra. On voit hein, quelque chose de lumière. Il y a sûrement quelque chose d'important là-bas. Ah, et si je vais en bas? Ok. Je suppose que même les petites mines, elles m'exécuteront sans problème. Allez, allez. Plus vite, plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, voilà. C'est la meilleure chose à faire. Donc, je peux revenir de là où j'étais. Ok. Je peux m'exploser aussi. Ah, il y a une autre de ces espèces d'autels. Enfin, de monuments. Il n'y a aucun signe de guerre, aucun signe de désastre. Chacun des curieries et des ancêtres ont juste disparu. Et pourtant, cette grotte est alignée avec ce qui semble être des mines antipersonnelles. Des mines qui sont récentes comparées au travail de la pierre. Il semblerait que les ancêtres aient laissé miner leurs propres ruines en partant. Cela ne fait peu de sens. Est-ce que les deux choses sont liées? Est-ce que les curieries auraient fait quelque chose qui aurait un rapport avec la disparition des ancêtres? Ah, oh là là. J'ai des très mauvais souvenirs. J'ai des très mauvais souvenirs de ce truc. Oh oui, je me souviens que les hitbox est le plus dur ici. Les curieries sont connues pour plus que leur force physique. Ils possèdent aussi une habilité de saut incroyable. Et je peux sauter une fois de plus. Et avec des aines micro-voiles, micro-tissées et enroulées. Ah, ceci est bien plus clair. Les hiéroglyphes parlent des curieries comme étant une nouveauté. Comme si c'était la dernière chose que les ancêtres avaient enregistrée avant de disparaître. Ah, ça me met mal à l'aise. Étrange, étrange. Serions-nous un ancêtre transformé en curierie? Hein? C'est amusant, ce niveau a été enlevé de la version finale. C'est un niveau bizarre et qui est vraiment étrange. Mais il a été laissé ici parce que c'était supposé être un test ultime de ton habilité pour réaliser la glissade. Et puis c'est rigolo quand tu touches une grosse mine et tu exploses et que ton corps frappe une autre quand ça en va sur une autre. D'accord, donc on va expérimenter le rigolo qui est ici. Non.
Il doit parler des grosses mines. Voilà, ça. Bon. Nous allons, nous sommes quand même au-dessus de ça. Je rigole, évidemment. Non, du coup, par contre, je peux monter bien plus au-dessus, ici. Ah. C'est décevant. Ah. C'est amusant. Ce jeu a été créé originalement pour le concours appelé le Dom d'Art. Ça a été une création de 48 heures où tu avais juste 2 jours pour créer un jeu à partir de rien. La version de Legend of Canivana a mis 4,5 mois de travail de plus que les 2 jours initiales. Et B, nom d'un chien. Mon gars, t'es génial. On comprend maintenant pourquoi c'était son plus grand, un de ses premiers grands projets vidéoludiques. Tiens, j'ai sauté au-dessus de ça. Ah oui, mais il n'y a que des mines, il n'y a que des pics. On va quand même essayer de voir ce qu'il y a. D'accord, c'est que des pics et il y a un mystérieux cristal. Bon, du coup, on va revenir tout au début. Puis après, on ira dans le laboratoire si jamais on trouve rien qui nous permet d'aller plus loin. Est-ce que je peux pas monter sur un truc? Non. Il y a une forte chance que si je revienne au début, on finisse par revenir au monument. Vu que comme le monument porte un objet, et après on pourra aller au laboratoire débloquer tout ça. Je me souviens plus, est-ce que je suis allé là-bas? Oui, je suis allé là-bas. Comme faut débloquer plein de choses pour le laboratoire, il va falloir que j'y retourne, et avec vraiment tout ce qu'il faut. Hop. Allez, hop. Je reconnais. C'est un pote d'échappatoire d'urgence. Enfin, une capsule d'évacuation d'urgence. Maintenant que je regarde après l'arrière des débris, je me rappelle comment je suis arrivé ici. J'étais entouré de coussins aérogènes. Et c'est pas les coussins, mais bref. J'ai dû endurer une noirceur suffocante alors que je tombais sur cette planète. Le voyage était une violente montagne russe à travers l'atmosphère et après je ne me rappelle de rien en fait après ça. Le pod, la capsule semble endommagée, comme si elle avait eu un atterrissage ardu. Cela devrait expliquer ma perte de mémoire. Et hop, il justifie ça. Il justifie les petits dégâts de pourquoi on se prend des dégâts par des verres. Il justifie pourquoi on se prend des dégâts ici. J'aime bien vraiment ce personnage. Cet endroit est rempli d'étranges matériaux aliens. Il a été théorisé qu'il crée une sorte de pierre antigravité qui était enchâssée dans ces collines. Et puis, comment est-ce que je pourrais rester suspendu en plein air? Bon, c'est justifié, mais hein. Là, par contre, c'est limite. attends. Il y a des trucs ici. Oh, on va pouvoir aller en dessous de là où on était. Ah, ça va nous faire un raccourci sans doute pour quand ça s'appelle pour le laboratoire. Oh, là je suis sûr qu'il y a un fait rigolo, enfin un fait amusant du développeur.
pas loin. Hop. Ça, ça me paraît être plus que... Non. Oula. Hop. Ah, donc il y a plusieurs de ces cristaux. J'ai activé le podium de cristal. Ah, c'est des ennemis ces trucs-là. Ok. Non. Bon, bah, il y a peut-être des trucs en bas, mais... Ah. Bon, il y a Alex doré tout ça. Je sais pourquoi je me sens pas seul. Quelqu'un partage le même crâne que le mien. Je peux le sentir. Regarder à travers les mêmes yeux que moi. À travers, comment dire, dans l'arrière de mon esprit. Comme un animal en cage. Cela me met vraiment très mal à l'aise. Bon, bah. Ah oui, mais là. Hop. Allez, on va aller au monument. Ah, mais attends, on va retrouver ici. Ouais, je me retrouve ici. Ah, il y avait peut-être un endroit où il fallait sauter à partir de là. Sinon, je vois pas pourquoi je suis pas ici en fait. En fait, non, je vois pas pourquoi je suis ici. On va essayer d'éviter les, quand ça s'appelle, les soins. Ici, je ne peux pas passer parce que c'est une extension. Non. Bon, c'est pas grave. On va aller en dessous de nous, du coup. Ah, je l'ai pas vu. Il y a un inventaire. On a des habilités, on peut avoir 6 vies, on a 26 de mémoire. Ok. Et on a la carte. Ah, ça devrait m'aider. Hop. Inconnu dans ces zones, dans une couloir de glace de notre esprit en solitude, solitaire, amené le nien du Kiriri, la haine mène, le cœur est mort. L'avarice et la discorde sont venus et ont tout étouffé. Est-ce que les âmes seront perdues et unifiées dans ce tout merveilleux? Une petite gemme de citrine tombe de son ornement. Vous le connectez. Bon, étrange. Vite. Ok. Bon, c'était bizarre. Allez, on remonte du coup. Parce que doit y avoir un petit truc. C'est obligé. Ah, j'aurais dû juste continuer de marcher. Hop. Thank you.
mais récupérer de la vie, parce que là c'est quelque chose. Et du coup, je me retrouve ici, mais ici ça me sert à rien. Donc ici, je ne peux pas passer parce que j'ai pas le pouvoir. Je vais aller ici du coup. Je vais aller ici du coup parce que je sais qu'il y avait un endroit où je pouvais utiliser le double saut. Je me rappelle plus où par contre. Ici. Il faut que j'utilise ici. Alors que tu touches le fragment, une de la force parcourt ton corps et je peux prendre un coup en plus. Ouais. Mais je crois que c'était que ça en plus qu'il y avait à prendre. Donc ça ne m'aide pas du tout. Parce que ça, c'est le parcours, c'est le passage. Mais dans le passage, il n'y avait rien de. Il n'y avait rien d'utile. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait un truc où il fallait utiliser la force. Et c'est tout. Bon, je vais voir si je vais pas débloquer une porte côté des ancêtres. Je vous laisse là quelques instants et on se reverra au bon endroit. Bon, quand je me suis approché d'un des murs que je ne peux pas détruire pour le moment, ça m'a bien indiqué que le mur était faible, était en train de s'effriter et qu'il a besoin d'une autre, une autre habilité. Alors pourquoi je vous le dis ? Bah tout simplement parce que le développeur a pensé à justifier ça. Donc du coup, moi j'aime bien. Sinon, je pense que je vais aller au. Quand ça s'appelle ? Au monument. Il y a que ça qui me vient à l'esprit. Le problème, c'est que tout est fermé. Alors peut-être que vous avez vu, l'ascenseur est ouvert maintenant que j'ai touché quelques petits trucs. Ouais, peut-être que c'est l'ascenseur qui est ouvert. On va aller voir, vous savez quoi? C'est le seul truc qui me reste. Maintenant, il me faut un pouvoir de course et un pouvoir de quoi déjà? Un tir plus puissant. Donc, je pense que ici, ça devrait être bon. Pas du tout. Et pas du tout. Je ne sais pas où je dois aller. Je suis coincé. Parce que ici, il y a Curiri. Tiens, c'est ça le nom. La Curiri, ici, c'est fermé. Ici, c'est fermé. Et les deux trucs sont rouges. Ici, c'est des mines. Et là-bas, c'est fermé. Et là-bas, c'est fermé. Alors, c'est un mystère. Et puis si je passe comme ça, ça ne sera pas possible. Ah ah, peut-être que tu penses que je peux tricher. Hop. Non. Est-ce que si j'essaye de... Non. Non, dites.
Je voulais essayer d'utiliser ça comme un point de sauvegarde. Ah ah! Faut faire quelque chose avec ça. C'est pas le, quand ça fait le trajet prévu par le dev, mais je vais pas hésiter. Désolé, monsieur le développeur. Je suis prêt à briser tes rêves. Bon, allez hop, on continue la belle aventure. Du coup, non, il faut que je continue de noter. Après, lui me prendra des gars. Non, ça va repousser. Bon. On recommence. Et je sais que c'est possible et je vais le faire. Repousser de ce côté. Donc en fait, faut que je saute immédiatement, d'accord. Hop. Je vais y arriver, les gars, je vais y arriver. Un dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour casser le jeu? Hop. Voilà. Les curieries ont commencé à haïr ce qu'ils étaient. Enfin, haïr. Non, c'est pas aussi fort que ça, Recent. À ne pas être apprécié ou à être indigné de ce qu'ils étaient. Je le sens dans mon sang. Une rage qui reste. Enfin, une rage qui est à la limite. Je ne dois pas la laisser s'exprimer. Est-ce que cela détruit les ancêtres? Ah bah non, c'est pas le jeu qui est cassé, c'est effectivement la solution. Oula, c'est quand même traître les gars. Une autre mémoire te revient. Les curieries sont agiles et capables de faire appel à une endurance additionnelle qui permet de voyager à longue distance. Tu as acquis la capacité de courir, presse et tiens gauche ou droite pour marcher. Et tu courras après un moment. Quand tu brilles, tu peux envoyer les ennemis sur le côté. Enfin, d'accord. Super Kiriti. Ouais, je pense qu'on va avoir un peu cassé le jeu. Mais bon. Des coups. Le seul endroit où j'ai vu qu'il fallait courir, c'était ici. C'est littéralement le seul endroit. Et j'ai activé un podium de cristal. De ce que je comprends, les glyphes que les ancêtres ont inscrits sur ce mur, ce mur ne peut être couvert qu'avec une chanson, c'est quoi un short? Un accord de trois notes. Quand j'ai touché ce podium de cristal, il a émis un ton. Je pense que j'ai besoin de trouver deux autres cristals comme celui-là.
Donc j'en ai déjà trouvé un de mon côté. Ah, et ça a ouvert ça. Je devrais chercher sur le reste. Ah, et maintenant ça c'est vert. Bon. Du coup, maintenant que j'ai de la vitesse, où puis-je donc aller? Oh, c'était un peu mou. Réfléchissons. Ici, il n'y a rien, c'est fermé. Dans la caverne du début, je crois qu'il n'y avait rien. Tiens, ça n'y tue pas, c'est rigolo. En fait, c'est pratiquement invincible sous cette forme. Tu cours plus vite, c'est que les tirs qui peuvent t'atteindre. Et sans doute des mines. Ah, je peux pas aller là, non. En haut, il n'y avait rien. En haut, il n'y avait rien. Ah, vite. Vite. Rata. Vite. Voilà. Ah, du coup. Activer, les désactiver, les réactiver. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah d'accord, ça étend des pics. Ouais, non, je peux pas me défoncer comme ça. Étrange, étrange. Bon, je pense que je vais vous laisser là quelques instants. Et puis, on verra sur quoi je tombe. Oula, alors, je suis tombé sur ce machin sans faire exprès. Des faits amusants. Si vous avez découvert ça, alors il y a une bonne chance que vous ayez joué au Dundamdar version de jeu. Non, pas du tout. Cet End Secret a été enlevé dans la version remake parce que ça a été trop dur à découvrir. D'accord. Mais je suis toujours coincé. Ah là là. Mais bon, au moins, il y avait effectivement quelque chose dans ce truc qui était en apparence vide. Bon, apparemment, il semblerait que la suite ce soit ici. Mais alors, où ici? C'est un mystère.
Oh, mais quelle espèce de... Hop. Ah, et là, ça doit être la force. Vos épines sont plus fortes maintenant. Est-ce que c'est au moins des épines? Hop. Le piquant. Ouais, donc c'est des épines. Presse C pour frapper les zones faibles. Et ben voilà. On aurait galéré. J'aurais tellement galéré que j'ai dit. Regardez quelque terre. Du coup, ici, il y a des trucs à casser. Ça me rappelle bien. Donc, maintenant qu'on a tous les power-up, hop, toutes les améliorations. Par contre, je suis content d'avoir réussi à avoir une, comment dire, le pouvoir de course en utilisant l'ingéniosité de se prendre des dégâts pour y aller. Je pense que c'était fait exprès, mais qu'il l'a gardé. Et de remercier pour ça. Je crois qu'ici, il doit y avoir des trucs à casser. Quelque part. Oui. Bah, du temps, c'était ici où j'étais allé un peu avant. Quand je jouais, et justement, c'était là où j'avais découvert qu'il y avait un petit message ici pour dire. Oh, c'est marrant, et qu'il faille une tonne de coups pour le péter. Ah, parfait. Ah, et c'est le troisième cristal. Tiens, c'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait un sous la. Vu que là ils te disent qu'il y en a trois cristaux comme ça, mais il me semblait qu'il y en avait un sous la statue. Il y en aurait plus que quatre. Alors là je suis circonspect. Sinon je crois que ici il y a rien. Non, ici il y a rien. Ou sinon c'est une navie ou. Bon. Allez, il est temps de faire le retour. C'est la première fois que je tombe dans la nave. C'est terrifiant. Tu me diras, après, c'est pas la première fois que je tombe dans un liquide dans le jeu, donc. Mais j'étais pas souvent tombé dans ces piscines. Donc en même temps, j'ai mon excuse. Hop! Alors c'est quand même bien mieux ce pouvoir de charge que Metroid, ça se recharge beaucoup plus rapidement que la super vitesse. Bon après c'est après évidemment je rigole hein. Vous prenez pas ça au sérieux ou dans votre cœur. J'entends déjà les personnes, mais comment oses-tu comparer Metroid à ça? Bon, hop. Ouais, mais du coup, l'expansion, c'était pas des murs destructibles, et ça fait un bout de temps qu'elle était demandée, enfin, qu'elle était attendue et annoncée. Ah, les sons des ancêtres. Mais. Quand tu vas trop vite. Laisse-moi entendre ta décision sans dater. Ouais, d'accord. Curerie. Nous avons des curieux ont été faits pour jouer et travailler. Pas de crâne ne sera rempli, mais sauvegardé pour notre propre musique, pour notre propre âme et musique. Chanter dans leur grâce crue, mais
Mais nous avons Shri the Beast. Shri. But we did but alors là we did but nous avons fait mais astucieux. Oui mais non justement c'est je suis sûr que c'est pas ça. Yes, beast. Nous avons fait, mais astucieux, c'est bête. Non, mais c'est sûrement pas ça, les mecs. Parce que boire dans leur race, on a fait. Mais astucieux, plus c'est bête. Attention, les curieux ont été faits pour jouer et travailler. Pas de crâne ne saurait être rempli, mais sauvegardé par nos propres. Aucun crâne ne pourrait être rempli, sauf notre grande âme et notre musique. Danser dans notre grâce crue, nous n'avons fait, mais il n'y a pas d'astuce dans ces bêtes, je suppose. Les créatures de 4. Enfin, les créatures des quatre ont rêvé de prendre revanche. Ils ont, enfin, ont désiré prendre revanche. Ils n'avaient plus de désir d'être de simples outils ou de jeu. Enfin, ou de la chasse, hors game. Non, d'être de simples outils ou de loisirs. Nous leur avons appris leur verse et. Nous leur avions appris nos verses et nos sons à cette brute enragée. Une petite gemme garnette est tombée de... donc il y a des gemmes. D'accord, donc il y a 3 gemmes et 3 cristaux, c'est ça? Bon, du coup, après, c'est comme ça qu'on aurait dû passer pour récupérer le seau. Compris. Bon, bah, du coup, je pense que je peux. C'est un pixel de mort, hein. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si ça, c'est pas un secret, je ne saurais point dire ce que c'est. Où est-ce qu'il est le secret? Non. Il y a un pixel mort. Ah bah c'est rigolo. Il y a un pixel mort. C'est cocasse. Bon du coup ici, j'ai débloqué les 3 machins. Avec tous les podiums de cristal actifs, vous entendez un clic. Le mur qui bloquait votre chemin vers l'autre côté de la montagne s'ouvre. Ah, et on va enfin pouvoir du coup voir le vaisseau. Skim the Sky. Je quitte pas si je tombe. Ah, c'est cocasse. Ah, on revient dans les ancêtres ou non. On a une créature. Du coup, lui aussi, il a des épines. Il résiste bien, le saligo. Nous avons tenté d'échapper à nous protéger, car on est condamné par la haine. Brillant et rapide à s'adapter, il y a une sneak adaptative, c'est la sneak adaptative qui recherche. Sneak, c'est quoi? Brillis, brillant, luisant, onctueux, bichonné, trop soigné.
Donc je suppose que ce sera plutôt... on cherchait à s'échapper de nos protégés condamnés par la haine, brillant et cherchant l'adaptativité affinée. Non. En cherchant à affiner leur adaptivité. Non, la première était un peu tout joli quand même. Pour masquer nos chansons avec leur discorde et leurs plaintes. Enfin, leur noir. Pas autre chose. Et leur répugnant d'étévalité écœurant. Nous avons tourné nos accords contre eux-mêmes, pas de honte. Nos enfants, les enfants que nous avons pris. Que nous avons piqué, percé, crevé, pointé, tué, rond. Okay. Que nous avons piqué, intrus leur croche. Que nous avons piqué, que nous avons pénétré et écrasé le sang. Non, les enfants que nous avons piqués envahissent et écrasent le sang. Notre monde, le monde que nous quittons, nous te mec, pour faire le monde que nous avons quitté pour faire notre maison et enfin pour aller vers notre maison et aider dans les morts. Et j'ai une troisième gemme. Je suppose que c'est trois gemmes, trois. Ah oui, mince. Ah! Ah non, il y a quatre gemmes. Il y a quatre gemmes. Où peut-on être la dernière? Ou peut-être la dernière? Réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce qu'il y avait un mur cassable ici? Peut-être là? Peut-être dans ces forêts-là? Soit c'est dans ces forêts-là, soit c'est dans ce satané labo. Ouais, mais non, du coup. Tant de mystères. Tiens, j'avais pas vu remarquer, on a aussi une bien meilleure portée. Un, deux, trois. Ici, je l'ai activé, donc ça c'est bon. Ici, je l'ai eu. Bon, vous savez quoi? Dans la caverne, il n'y avait rien. Ah, si, en haut. Si, je vois où est-ce que je l'ai manqué. Ah mais attends, non, c'était peut-être juste de la vie. On va voir si c'est de la vie. Parce qu'il y avait des choses que je pouvais détruire en haut. Est-ce que je peux détruire des trucs ici? Non. Voilà, c'était là-bas. Ah mais non, c'est juste avec ta vie. Bon, je vais aller chercher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, d'après ce que j'ai dit, ça devrait être dans Hubris quelque part. Le seul truc que je me suis
peux aider du coup, c'est les noms. Comme ça. Donc du coup, c'est quelque part là-dedans. Après, où? Ça, c'est le mystère. On va monter pour voir. Non, donc c'est pas en dessous. Est-ce que ce serait là-bas? Ah, il y a un cerveau ici. Alors, c'est pas ce que je cherche, mais j'accepte volontiers. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Je me demande quel est le but de ce liquide vert. Puis je suis retourné à des conversations qui étaient dans ma mémoire. Ah, cette fois, c'est plus en tant que Kirin qu'il a ça. Un scanner en profondeur indique que la planète est is only combined with a large complex en main. Donc c'est une ruche de machinerie complexe. C'est son but, le but du complexe est inconnu pour nous. Des larges piscines de liquide visqueux résident dans les sous-sols. Et il a été théorisé que c'était la défense, les systèmes de défense locaux qui utilisaient pour contenir des machines bio-organiques. La plupart des espèces natives que nous voyons ne sont pas du tout natives ici. Ce sont des machines. Ah oui, c'est quand même important ce petit message. Et en fait, ça indique du coup que ce soit des machines ou des créatures, tout est que création en fait. Ah oui, quand même. Du coup, ça explique pourquoi ce sont des concierges. Des concierges psychotiques. D'accord. Ah oui, c'était important qu'on ne manque pas en fait celui-là. Mais du coup, c'est pas ce que je cherchais. Ah, apparemment, il y avait de la vie ici. Du coup. Donc. Ah, ce serait ici. Nom d'un chien. Allons-y. The spin me around, baby. Baby, hide around. Ok, bon. Croyez-nous mort, détruit. Croyez en notre don. Nous chanterons vos chansons qui amènent la vie et la joie et qui composent des verses, des nouvelles verses infinies. Invisible pour tous, inconnu, mais rappelez-vous, les rythmes que nous chantons sont désormais des âmes des nôtres. Enfin, les rythmes que nous chantons sont désormais des âmes que nous chantons. D'accord. Bon, bah du coup, j'ai les 4 gemmes. Donc, on va retourner vite fait. Bien fait. Hop. Par le pouvoir de la course. Et bien comme quoi en fait ce comment ça s'appelle ce laboratoire fallait vraiment y retourner très souvent. Peut-être même un peu trop. Que ce soit pour avoir de nouvelles kin, que ce soit pour avoir de nouveaux cristals. Direct c'est ça. Le petit problème c'est qu'on y retourne peut-être un peu trop souvent. Donc encore, pour tous les autres, ça va, si on y passe, on fait un truc. Il y a un peu trop de retour dans ce endroit-là. Et comme il est grand, c'est quelque chose pour tout traverser. Surtout s'il lui prend de cette façon. Hop. En tout cas, j'adore l'univers et les créatures là-dedans. Il a à chaque fois là essayé de justifier tout ce que bah, tout son univers, de pourquoi il y a des dégâts, de pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et franchement j'aime bien.
Bon, peut-être les ancêtres qui sont un peu trop mystérieux pour leur machin. On découvrira peut-être ça à la fin. Le pourquoi du comment, mais. En fait, c'est pas que la race des ancêtres est inintéressante, au contraire. C'est juste que plus on apprend, plus je trouve que c'est des saloperies. Mais bon, après, justement, c'est un peu fait exprès. Bon, après, je vois pas la raison de pourquoi les curieries. On n'en connaît pas. On sait pas trop exactement ce qui s'est passé, donc. On sait pas si c'était juste des esclaves. Oui, et en tout cas, il y a une rébellion, donc. À partir du machin. Donc, en même temps, tout n'est pas non plus tout rose, tout machin. Les curieries, ils ont pété un câble à cause de ça. Est-ce que c'était censé être des créatures qui avaient aucune vie, enfin aucune conscience et puis qu'ils ont fini par en avoir une, ou est-ce qu'ils en avaient déjà et du coup c'est pour ça que ça a fini par exploser? Et maintenant on peut. Ah, on va être. Ah, ça va être pas drôle. Alors ça. Alors ça, c'est pas rigolo. Ah bah ça t'aurais dû venir plus tôt, ça, que on nous explique à quoi servent les champs de force. Ah, c'est un piège. Un piège. Quoi? Plus? Ah mince. Oh, ça c'est pour les gemmes. Ça dit quelque chose d'incompréhensible. Tu es un fou, humain. Ah, je m'en doutais après toutes ces années que je commençais à entendre des. Ah, je finissais par comprendre qu'après toutes ces années, je commencerai à entendre des voix dans la tête pour de vrai. Ah, et c'est tout. Suis parfaitement comprends. Non, là, pour le coup, je suis complètement en accord avec la Chine, avec le succès. Tout ça pour ça. C'est amusant. Les gens de Canevala représentent à peu près 5 mois de travail habitant et contient 19 lignes de code sur 180 classes. Dans le moteur qui fait marcher Legend of Canevala est appelé Muni. Ça veut dire mémoire dans le vieux nordique. En vieux nordique. Et c'est approprié parce que Legend of Canevala en engin est un système sophistiqué conduit par des données. Alors là, c'est. Alors là, j'ai pas du tout de. Qu'en s'appelle? De langage informatique. Chaque niveau a été créé de manière externe par un éditeur XML et contient son propre système de métascripting. D'accord. Quand un type te parle d'informatique. Le rêve humain. Oh. Un niveau sur de la glace, qu'est-ce que j'aime ça! Oh! N'aurais pas découvert ça, j'aurais dû tout redescendre après en avoir chié pour monter. Ah, je peux voir le vaisseau écrasé à travers les petites interstices de ce mur, mais je ne peux pas ouvrir la partie d'ici. Je dois grimper autour. Et ça veut dire un niveau pour de la glace. Et en plus, il y a des créatures qui en sortent.
qui sort de nulle part et qu'on peut pas zigouiller. Pourquoi? Pourquoi le développeur nous avoir fait ça? Oh, nos cauchemars. Oh, j'aimais tellement ce jeu. Le squelette. Tiens, on va vérifier s'ils sont vraiment. Oui, ils sont indestructibles. Bon bah ça devra aller. Non, mur de glace à la. Qu'est-ce que je déteste le niveau de glace. Bon comme tout le monde mais. Et du coup ici, je vais découvrir ce de machin du secret pour voir qu'est-ce que c'est le bordel. Ah, une mémoire. Est-ce qu'il descend plus de machin parce que je vais le détruire si je peux. Non. Je suis en train de jeûner. Si le vaisseau a survécu au crash, j'espère que les survivants pourront endurer ce temps. Je dois les trouver vite. Plus je pense à propos de ce vaisseau, plus je le reconnais. Mais même malgré ce que cela implique, cela me met vraiment mal à l'aise. Bah du coup, le vaisseau, là maintenant que j'y pense, oui, bah tu viens d'un. Comment ça s'appelle ? D'une capsule d'évacuation. Et le vaisseau s'est crashé très peu de temps après. Donc oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je réalise qu'il était trop tard, qu'un monstre gardait le vaisseau d'évacuation. Enfin, le vaisseau craché de quoi? Écrasé. Je vais devoir le détruire avant de pouvoir. Hein? Il y a un combat de boss. D'accord, je dois juste l'emmener dans les mines. Compris. Oui, chef, bien, chef. Tu penses que je peux pas l'attaquer. Non. Il y a du sang. Mais. Hop. Allez. S'il reste comme ça. Wouhou. Un bon bout de tampane. Je suis bête à the bot. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Ici, il n'y a pas un fun fact. Ah, mais si. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Showmund! Moi, tu ne mourras jamais! La princesse est mienne! Et elle sera bientôt détruite! Attendez, où est-ce que je suis? Alors, c'est sûrement. Qu'on s'appelle? Une référence à un de ces jeux. Tiens, on va regarder. Vous savez quoi? Hop! Chain d'épines. Attends, donc il y a un truc qui s'appelle Time Crown où c'est aider un voyageur en 1952. De quoi? Bon, peut-être qu'il y a un pingouin dedans, ou sinon peut-être que c'est juste un délire du développeur. Bon, du coup, c'est Rainpay Turner, Run Right. Donc, mais quelle sorte de bête était-ce? Mi-machine, mi-organique. Tout cela est déterminé à me tuer. Je ne suis pas sûr et je ne suis pas sûr de pourquoi, mais son visage me semblait familier. Ah bon? Ah, 30! Ah, bah si c'est 30, c'est que c'est un. Comment dire? C'est un nombre qui sonne bien, donc j'ai peut-être tout découvert. Ouh! Qui est-ce? Cette créature, je ne reconnais. Mais il est trop tard. Avec un choc, je réalise que Daniel est encore en vie. Il s'est
m'attire et lève son regard pour me regarder. Ses yeux vides et assommés. Tu es venu. Je ne savais que tu viendrais. Il se stoppe et éternue violemment pendant quelques instants. Une fois le moment passé, il s'essuie le visage avec la manche de sa combinaison déchirée. Enfin, abîmée. Ah, j'ai mal partout et j'ai du mal à réfléchir. Mais il est important que tu écoutes. Une part de toi dit que qui n'est pas surpris de réaliser que tu peux comprendre la langue de l'alien. C'est parce que ça n'est pas vraiment un alien. Je suis toi. De quoi? Je suis toi. Tu portes le corps du Kukiri, mais tu possèdes une copie de mon esprit. Et pourtant, je ne suis même pas sûr si tu me comprends. Quelque chose a du mal de se passer. Les mots prennent un moment à se former dans ton cerveau alien, mais tu arrives à déclarer une réponse dans la langue humaine. Je ne suis pas un Kukiri. Je ne suis pas humain. Mais qui suis-je? Mais que suis-je? Il te sourit. Tu es quelque chose d'unique. Tu étais notre plus grande richesse de tout cet endroit ancien et puissant. D'accord. Peut-être que tu te rappelles désormais que nous venons d'ici du vaisseau de la Terre, Kord Vader. Ce monde, appelé Kalevala, a été catalogué 20 ans avant par un explorateur finlandais. Mais seulement 3 ans avant, nous avions déjà une colonie créée avec assez de matériaux et de personnel pour explorer cette partie de l'espace. Nous avons trouvé ce monde mort, plein de ruines et de machines. Nous avons essayé de nous poser plusieurs fois, mais nos sondes automatiques ont été submergées dans ce monde. Au début, nous pensions cela suspect, que tout ce voyage vers ce monde entier, nous avons suspecté que l'entièreté de ce voyage vers ce monde alien mort était un fiasco. Puis, nous sommes tombés sur une archive de données en orbite. Les archives contenaient nos tickets pour passer à travers les défenses. Nous savions assez de bio-ingénierie pour ressusciter les créatures que nous avons trouvées à l'intérieur. C'était un long et difficile processus, mais nous sommes arrivés. Les créatures qui ont grandi à l'intérieur de nos biotanks semblaient nos biocapsules, nos bioconteneurs semblaient être quelque chose que nous avions déjà vu sans être. Non, était quelque chose au-delà de tout ce que nous avions déjà vu sur cette planète. D'accord, donc on est une création, même pas complètement. D'accord. En utilisant la technologie des archives de données, nous avons construit une machine pour transférer l'esprit d'un seul humain dans ce vaisseau alien. Dans ce réceptacle alien. À partir de là, nous avons envoyé un explorateur directement sur la surface de la planète pour peut-être trouver un moyen de désactiver les défenses. J'ai été fait partie de l'équipe de neurobiologie, de xénoneurobiologie. C'était un choix logique de me télécharger à l'intérieur de cet organisme artificiel de Kukiri. Mais si j'avais su, j'aurais su à partir de maintenant que nous n'aurions pas dû ouvrir cette boîte de Pandore.
Nous avons assumé que nous allons remplir ton cerveau blanc, son cerveau vide. Mais je pense que... Et je pense que ce qui s'est passé après, c'est ça. L'intelligence d'origine, l'alien d'origine, n'a pas été effacée par mon propre... par mon propre cerveau, par mon propre une patente de cerveau. Il a resté dormant, enfin presque dormant, en attendant sa chance de s'échapper. Et ça veut dire que, enfin, et c'est, je veux dire, enfin, in, je veux dire, tu t'es échappé de... Tu as volé une capsule d'évacuation rapide, de descente rapide, et tu t'es lancé à travers ce monde en ratant de justesse les systèmes de défense en orbite. Nous n'avions aucune idée que tu pouvais bouger avec une telle hâte jusqu'à ce point. Et tu semblais entièrement humain et déterminé de nous aider à infiltrer les Canevala. Donc, nous voici. Je me suis crashé et je n'ai aucun espoir d'être sauvé. Alors qu'une copie de ma personnalité court dans un corps d'alien et qui est sûrement pas sous le contrôle entier de mon doppelganger. Le Kuriri m'a envoyé dans ce temple. Il ne me parle pas directement. Ne me dit pas directement ce qu'il veut, mais occasionnellement des images viennent dans ma mémoire. C'est la seule description que j'ai pu trouver dans ma tête qui ressemble à ce que j'ai vu. C'est un temple des ancêtres, je suspecte. J'ai trouvé ces gemmes qui contiennent des hiéroglyphes, et je ne sais pas à quoi elles servent. Chacun d'eux a une signification, mais ces glyphes sont trop petits pour que je puisse les voir. Laisse-moi regarder. Je suspecte que les yeux humains sont meilleurs que ceux des Kuriri. Je donne des gemmes de citrine à l'humain. Il regarde les gemmes acquiesce. Très intéressant. Vous appelez ces autres aliens des ancêtres. C'est une traduction précise de leur nom. Il me semble qu'ils savent à propos de la revanche, que les Kuriri cherchaient de la revanche et se sont isolés. Mais leur phrase est étrange. Il me semble presque que c'est comme s'ils étaient encore là, sur cette planète, et ont été combinés ensemble dans une sorte d'union mentale. Ah, comme l'espèce de créature qu'on a vaincue. Nous avons trouvé aucune preuve d'intelligence, de forme de vie intelligente sur cette planète, à part les mécanismes de défense. Bah du coup, ça, malheureusement, si, du coup. Je passe la gemme d'émeraude. Fascinant, les ancêtres étaient encore en vie, et ils sont toujours autour de nous. Est-ce que cela voudrait dire? Oui, je pense que je comprends. Il y avait un temps... il y avait le concept d'uploader notre cerveau dans une forme permanente. C'est préserver l'esprit humain en encodant dans un système construit à partir de matière intelligente qui pourrait émuler l'esprit et son environnement requis. Certains ont postulé que c'était la forme ultime de la plupart des espèces intelligentes. Qu'il faudrait nous séparer de nos corps de chair et devenir un flux de pures données abstraites, stockées dans un réseau d'ordinateurs global. Il apparaît que les ancêtres ont réussi à achever ça. Juste ici, sur Kinavena. Incroyable, ils doivent être tous autour de nous, dans ce monde bien précis.
ils doivent être en train de chanter leur chanson en parfaite harmonie. Donc en fait, j'ai zigouillé des ancêtres en faisant ça, en tout cas, des corps du réseau d'ancêtres. Bon. Cela ne fait... ce n'est pas un simple fait qu'ils ne veuillent pas de nous ici. Nous sommes la discorde. Du coup, ça explique pourquoi tout le monde veut nous zigouiller et pourquoi ils ne s'attaquent pas entre eux. Ah, c'est une triste histoire. Il semblerait que je comprends les glyphes. Les ancêtres se sont fui de ce monde. Mais ils ne savaient que les curieries voudraient sortir de leur isolation imposée. Enfin, qu'ils s'étaient eux-mêmes imposés. Et du coup, les ancêtres ont transformé ce monde, leur maison, dans une zone de guerre hostile. C'était, une sorte de folie, similaire à la guerre nucléaire, à la folie de la guerre nucléaire qui avait touché la race humaine dans les années 1900. Ce n'est pas rien si les Curieries voulaient rechercher la revanche contre les ancêtres. Peut-être était-ce le pourquoi les Curieries dans ton corps voulaient avoir accès au temple. Peut-être était-ce pour blesser d'une manière ou d'une autre les ancêtres qui y étaient. Une sorte d'acte de revanche. Et la dernière pierre. Incroyable. Je comprends tout désormais. Les Curieries étaient effectivement des messagers. Ils devaient être une version. Ils devaient être une nouvelle version des expériences des ancêtres. Pour. Ah non, c'est pas une nouvelle, mais c'était une des premières versions des expériences des ancêtres pour uploader leur cerveau dans une matière intelligente. Les ancêtres pouvaient ainsi uploader dans les curieries. Peut-être était-ce de la décadence à ce point, et qu'ils basaient leur émotion sur. Qui voulaient baser leur émotion sur une forme de vie simplifiée. Enfin, plus simple. Les curieries ne sont pas complètement animaux, mais leur tempérament semble ne pas être aussi raffiné que ceux des ancêtres. Les ancêtres ont révélé, enfin, se adorer, enfin, se aimer, adorer ceci, mais c'est éventuellement ce qui a causé leur perte. Bon, pour maintenant, les curieries. Ils veulent remettre les choses dans l'ordre. Ils veulent pouvoir se venger et rendre les choses à l'égal. Ils ont été créés par des ancêtres et utilisés comme une diversion. Mais tout ça pour être ensuite jeté quand les ancêtres sont partis. Et maintenant, un curéry réveillé marche sur les terres des ancêtres. Tout ceci est vraiment fascinant. Les ancêtres et les curieries, si seulement on pouvait étudier cette planète en détail. Mais une chose, je pense qu'il est clair, c'est que tu ne dois pas faire confiance aux curieries qui est dans ton crâne. Il va chercher ce temple et tu vas devoir rester en alerte. Je vais quand même y aller. Je pense que ces gemmes sont liées. Les ancêtres chantent en moi à l'intérieur de mon crâne quand j'ai touché les gemmes. Je sentais donc en fait j'aurais dû entre guillemets chanter quand il y avait des trucs. Bon bah. Je sentais une urgence de trouver et de ramener ces 4 gemmes et d'aller au temple. Et cette urgence ne semblait pas venir du curieri dans mon crâne. Ah, la tête va d'en avant en arrière alors qu'il dit « S'il vous plaît, quitte-moi, je suis trop faible pour parler plus, je dois me reposer ».
Et du coup, il est sans doute décédé ou va décéder. Le but. Le temple est près d'ici. Je peux le sortir. Et il me conduit vers lui. Enfin, il m'attire. Hop. Du coup. Après ce gros. Fait amusant. Un nombre de personnes ont demandé qu'est-ce que était la créature que tu contrôlais exactement. La seule réponse que j'ai pu leur donner était que c'était un chien ptérodactyle mauve métallique. Que c'était un mix de ptérodactyle chien mauve métallique. Est-ce que c'est clair pour toi? Enfin, qu'est-ce que ça clarifie les choses? Je comprends. Je comprends que quand dire maintenant ça devient clair pour des personnes qui lui ont demandé. Ou non. Oh. Je me souviens que j'étais mort plusieurs fois ici. Les hitbox, c'était un plaisir. Voilà pourquoi j'étais mort plusieurs fois en bas. Hop. Voilà. Ah, un piège. Ou non. Alors là. Hop. Voilà. Bon, ça va, c'était pas trop compliqué. Oula, faut vite que je sorte de là. Oula, maintenant il y a des lasers. Me doutais que j'allais enfoncer sur un. T'es donc ultra rapide. Est-ce que c'est un vaisseau qu'on voit en arrière? Non, c'est des nuages. Vous avez la forte prémonition que quand tu vas continuer, une épreuve va t'attendre qui va tester tes habilités jusqu'aux limites. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit fait ici? Non. Donc, il va y avoir un boss. Ah oh bah tiens, c'est rigolo. Bon, après, il avait dit que ça les envoyait bouler. Ah ah, il y avait effectivement un secret. C'est amusant. Le créateur de Legend of Kin de Kanevana n'est pas un robot du futur envoyé pour tuer Sarah Connor, honnêtement. PS, continue de bon boulot. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que parfois tu peux avoir des trucs ultra sérieux, puis après tu peux avoir un pingouin qui te fait ça, des succès qui sont bizarrement, enfin, qui sortent un peu du jeu, et puis tout d'un coup, un secret comme ça. Ah, mais c'est l'écran. C'est donc ça le temple. Le conflit. Une machine vonantanienne. Ça doit être le gardien de l'ancêtre. Il n'apparaît pas à ce style. Les sons proviennent de la machine. Avec tes capacités de connaissance du langage de mélodique de l'ancêtre. Quand il est assez rugueux, mais. Il est assez cru, mais tu as aucun doute sur la traduction. Terminé. Bon, bah, je sens corrigé. Oh, c'est génial. Ou non. Est-ce qu'il faudrait pas que je me tape? Ouais. Non. Comment je peux faire? Je peux pas sauter comme ça.
Je vais essayer de faire en sorte qu'il se tire lui-même. Bah non, c'est pas assez haut. Et je peux pas l'attaquer comme ça. Je sais pas trop ce que je dois faire. Là, j'essaye de danser de machin contre lui. Non, ça a pas l'air d'être efficace. Je peux pas danser plus que ça. Je pense qu'il faut quand même que je tape sur la machine pour lui envoyer sur la figure. Et parce que d'attaquer comme ça ne sert à rien. Attends, on va regarder quels sont les tirs. Il fait des tirs comme ça, mais si je fais ça... Non, si j'attaque, ça fait vraiment rien. Et je peux vraiment pas tirer en sautant. Bon, je pense qu'il faut que j'attende qu'il fasse un autre pattern. Enfin, un autre pattern. Qu'il fasse un autre mouvement, parce que là, je peux rien faire dans l'état actuel des choses. Il ne peut attaquer que en avant. Sinon, il faut que je saute dessus. Ah, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors. Oh, ça va prendre des plombes. C'est un orc que je vise bien. Oui, je ne peux pas le toucher quand il est dans l'air. Je peux toucher que de machin. Si je fais comme ça. Ok. Et là, je peux l'attaquer, compris. Ah, mais non. Bon, je peux lui faire qu'un dégât à chaque fois. Bon, 1, 2... Ah, il n'est même pas eu. Ouais, bah là, c'est foutu. Alors ça, c'est ce que j'appelle un boss frustrant. Je crois que je vais même me zigouiller là, parce que bon... Non, je vais pas me dégouiller là parce que ça fait du suspense. Hop. Ah ah. Ding dong, le boss final a été détruit. Voilà. Le temple. Le temple, il est au-dessus de moi. Au-dessus de cette colline, je dois enquêter. Je ne sais pas. Je sais que je ne devrais pas, mais je ne peux pas résister. Je ne peux pas y résister à cet appel. Ou non. C'est pas simple, d'accord. C'est vraiment le test ultime de tout. Mais pourquoi ?
Oh, il n'y a pas de secret ici. Sérieusement. Ah, de poste de résurrection. Et de fameux temple. J'ai activé le temple. L'une de tes gemmes dans ta possession commence à briller. L'humain a senti que, sent que tes gemmes sont importantes. Mais l'urgence de marcher dans le rayon de lumière était bien trop puissante. Enfin, était presque trop puissante. Et je veux savoir ce qui se passe si je rentre dedans. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux que j'attende et que j'attende un peu plus. Ah, c'est de la curiosité de singe de nouveau. Oublie ces gemmes. Va dans le rayon de lumière. Vite, vite. Je possède les quatre gemmes des ancêtres. Les Kuriri cachent quelque chose. Je devrais trouver, voir ce que je suis supposé de faire avec ces gemmes. Quand tu es prêt, va dans la lumière et presse haut. Je ne peux pas sauter en dessous. Et ça sent le secret. Bon, par contre, du coup, je pense que je peux y aller. Je crois que si je fais continuer, je devrais pouvoir voir la bonne fin. Enfin, la bonne fin. La seconde fin. Vous regardez les lumières dansantes qui vous amènent au cœur de Kanevala. À l'intérieur de toi, une autre voix parle. Ah, finalement, le chemin est ouvert pour moi. Je suis toujours trop faible pour contrôler ce corps directement. Donc, tu dois prendre le pas final pour moi. Pourquoi ? Les ancêtres ont menti, ils ont créé pour être déjoués, ils ont utilisé, puis ils ont jeté. Nous devions porter leurs esprits et chanter leurs chansons. Et ils nous ont quittés, et ils nous ont laissés, ils ont laissé ici, avec aucun but. Nous avons essayé de suivre les ancêtres pour que leur... pour que leur voix puisse se merger avec les nôtres, mais ils nous l'ont dénié. Ils ont fait en sorte que cette planète soit contre nous. Ils ont retourné cette planète contre nous et ils nous ont tués. Humain, tu nous as donné des clés vers ce monde que tu appelles Kanevala. Tu as trouvé notre archive de données et tu nous as reconstruit un d'entre nous. Nous devrions te remercier, nous devrions être... comment ça s'appelle ? On devrait te remercier, mais maintenant, tu dois compléter le pacte que tu as commencé avec nous. Marche dans la lumière, et nous serons finalement capables de chanter avec les ancêtres. Mais je ne comprends pas. Je suis confus. Mais enfin, vous êtes confus, mais sens l'urgence te submerge de suivre les ordres du Kuriri. Tu essayes de trouver une alternative, mais rien ne te semble aussi évident. Après une profonde respiration, tu marches dans la lumière. Oui, nous ne serons qu'un avec les ancêtres. Nos chaînes pourront être brisées. Humain, tu nous as donné une opportunité pour nous unir après tout. Même les tiens. Alors que l'esprit du Kuriri commence à aller dans les mécanismes de l'ancêtre, Et prends le contrôle, tu te débats en de terreur. Tu as perdu le contrôle de ton propre corps et esprit. Ne combats pas, humain. Tu vas être le premier de nos conversions. Ensemble, nous apprendrons les vaisseaux de ton esprit et nous construirons les nôtres. Mais premièrement, nous devons prendre soin de quelque chose. Il est trop tôt pour
Et trop tôt pour que les pour qui est vent de nos débuts commence à s'étendre. Les gemmes, j'ai trouvé toutes les gemmes. Mais pourquoi cela n'a pas aidé? Qu'est-ce que j'ai raté? Non. Ah, du coup ils vont peut-être se mettre dans notre vaisseau et transformer tout le monde d'une manière ou d'une autre. Carrément. Il y avait quelque chose à propos d'un homme pieux comme lui. Il aurait coupé la gorge de quelqu'un si ça l'aimait. Mais il hésitait à mettre en danger les choses immatérielles et problématiques pour son âme. Je n'ai pas pu bien traduire. Attends, tu te fous de ma gueule? ?2h19 que j'y suis. Mémoire collectionnée. J'ai récupéré 5 mémoires, j'ai poussé un bouton, des mémoires. Complétées. Avec la fin la plus difficile, bon bah ça c'est ce que je vais faire. Ça, c'est l'ennemi. Et Mospac ne t'a pas sauvé après tout. Il a trouvé 2 gemmes pour débloquer ça. 4 gemmes pour débloquer ça. En 50 minutes pour débloquer ça. Oula, là, c'est un clean run. Ça doit être un secret de bruit. Ah, les défenses de Kevala étaient pas si intelligentes que ça. Ouais. Manger ton outil, c'est bien. Trouver toutes les power-up, c'est un secret. Ouch, fais-le stopper. Ah, d'accord, maybe je... Bon, d'accord, encore, peut-être encore une fois. Hein? Non, là, je vois pas trop ce que c'est. Et je pense que les ancêtres sont en train de traficoter ma tête maintenant. Avec un magnifique collier. Bon bah on va continuer. Je veux dire on va battre ce saleté de jeu. Donc il faut que je fasse ça. Nanana, le temple. L'autre qui essaye de me contrôler. Nanana, hop. Sauf que j'ai des gemmes. Rah. Alors, le bouclier des ancêtres. Ouna, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je sais où ça va. Et j'ai trop de vie pour juste me zigouiller. Ce sera plus rapide si j'y vais comme ça. Peut-être que le boing-boing s'est sauté je ne sais pas combien de fois. Hop. Est-ce que s'il saute là? Toc. 1, 2, 3, 4. Ah non, bring bring. Non, je sais, c'est sauter plusieurs fois sur des ennemis. En volant. D'accord. Je vois. Oula. Ah, une gemme à mettre ici. Quand tu approches de la machine, tu vois une large gemme qui attend. Donc je mets une petite gemme dans la gemme. Et ça brille. Donc 1 sur 3 du coup dans 1 sur 4. Ah, et ici aussi. Oh, la descente, ça va tellement être pas rigolo. Ah. Voilà, ça doit être ça de bruit. C'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ah, sale petite kangourou. Bon. Si t'as envie, Ah, la machine ancienne. Ou non. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de dire, partons vite dedans. Bien que je vois pas de nappe monter, mais on sait jamais. Ah, c'est fermé. Vite, courons. Je sais pas s'il y a un temps de limite, mais on se fera pas avoir. Voilà. Et on y va. Pour des petites créatures que nous sommes, l'immensité du monde est seulement insupportable grâce à la boue. Vous rentrez dans la lumière, comme nos curieux vous le demande. Oui, nous ne serons qu'un avec les ancêtres. Nos chaînes sont... Non, attendez, j'ai entendu des chansons des ancêtres moi-même. Regarde dans mon esprit humain, celui que tu partages. Et peut-être que tu verras que le si dans le vrai. Nos ancêtres t'a créé. Ils t'aiment. Ils te chérissaient. Et c'est comme ça que tu nous récompenses. En abandonnant tes créations. Et c'est comme ça que vous nous récompensez. En abandonnant vos créations. Et en tournant le monde contre nous. Pour nous tuer. Sa voix is anguished. Il est acquis? Non. La traduction est angoissée. Alors qu'il s'est caressé ensemble dans l'unicité en chantant des chansons. Pourquoi en chantant des chansons que nous ne pouvions jamais rejoindre? Tu recherches de la revanche. Les ancêtres ont fait une erreur, ils t'ont maltraité, mais les tiens n'avaient pas... Mais les tiens ne sont pas juste morts de la main des ancêtres, n'est-ce pas? Tu ne me racontes pas la vérité entière. Il crie d'agonie. Sois maudit, sans nos maîtres, sans leur guidance, nous ne savons pas quoi faire. Nous avons combattu pour nous-mêmes, enragés. Car on nous a délié l'unité de nos maîtres. Nous sommes morts sur ce monde et que nous ne pouvions pas comprendre. Tu ne pourrais pas comprendre comment on s'est senti. Seul, flotté, abandonné. Nous avons choisi la mort à la place. Tu réalises quelque chose avec un choc. Les ancêtres ont seulement commencé à créer ces défenses hostiles une fois que les tiens ont commencé à mourir. Oui, j'ai bien menti. Les ancêtres ne nous ont pas tués directement. Ils nous ont quittés et ils nous ont laissés pour mourir sur notre propre accord. Ah, c'est pour ça qu'ils disaient leur isolation imposée, enfin auto-imposée. Et maintenant, je suis là. Pour remettre des choses dans l'ordre. Il doit y avoir un autre moyen. La machine que j'ai activée. Je peux sentir une horreur dans ton esprit. Dis-moi pourquoi. Tu vas le regretter. C'est un écran de défense qui va couper cette nanette de tous les contacts externes. Les ancêtres l'avaient construit, mais ils avaient échoué à l'activer. Peut-être est-ce de la pitié de leur part. Peut-être vous laissez une chance de quitter ce monde en paix et de vous trouver votre propre chemin. Je suis désolé que des tiens aient pris un autre chemin.
Tu as raison, dans le sens où je ne peux pas comprendre. Mais c'est fait. C'est pourquoi tu m'as amené ici, tu m'as amené vers ces gemmes et ces quatre chansons. Enfin, non, c'est pour ça qu'ils m'ont amené vers ces gemmes et ces quatre chansons. La machine doit requérir ses parties pour fonctionner. Et maintenant que j'ai complété la machine, les ancêtres se sont retranchés dans leur monde physique. Ils sont partis du monde physique que nous habitons. Nous devrions les laisser en paix et empêcher d'autres personnes de tomber sur ce monde. Ne me dénie pas ma quête de revanche, humain. Alors que le Gunson tremble sous toi, le temple brille de plus en plus, tandis que la machine, que des anciennes machines commencent à aller en marche. À l'intérieur du maltrum de lumière et d'énergie, tu sens la présence des ancêtres. Merci. Nous adoucirons ce curé brisé. Bientôt, son harmonie sera restaurée. Un ancêtre? Comment est-ce que tu me parles directement? Humain, tu regretteras ça. Tu regardes alors que le temple brille directement sur la planète, sur le bouclier, alors que le bouclier de la planète Taïter commence à ascender son pouvoir. Dans ton esprit, le curry se bat contre toi, mais échoue à prendre le contrôle de ton corps physique et ne peut stopper ce qui est en train de se passer. Il est temps de céder Kalevala, du reste de l'univers, et de laisser les ancêtres trouver leur paix. Imbécile, tu as joué directement dans l'heure. Un cri coupe dans ton esprit. Mais il est coupé abruptement. Un rêve où tu rêves ensemble et la réalité. Voilà, c'était rigolo. Franchement, j'adore l'ambiance et j'adore surtout. Je trouve que la difficulté est très bien dosée et j'apprécie les petits secrets, les petits machins qu'on peut découvrir, bien que c'est pas exactement ça que je cherchais, et que finalement les pertes de temps que j'ai causé, enfin que j'ai eu, c'était surtout moi qui avais du mal à chercher les machins ou qui ne me rappelait plus des trucs que j'avais déjà découvert. Mais franchement, c'était sympathique. Vraiment, il mérite le 5 sur 5 que lui avait donné. Et franchement, je comprends pas trop pourquoi il est à seulement à 3,77 de moyenne. Là, c'est vraiment un jeu qui mérite entre du 4 et du 4,5 au moins. Tiens, c'est rigolo. Ah oui, en fait, l'aide d'information, c'était vraiment... franchement, j'ai envie de dire... On va remercier Shaden Lupin. Donc du coup, Dida. Je suppose que c'est la même personne.
une exclusivité Congregate. Et moi, je vous laisse sur ce magnifique crédit, avec ce magnifique jeu. Salut tout le monde!